Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve sur Europa Universalis 4, toujours avec le Ming là pour la suite de la découverte du DLC. Donc je tourne ça à la suite hein, parce qu'honnêtement je veux dire, je vais pas vous mentir, je peux pas me retenir. Et j'ai vu que mon vassal avait déclaré la guerre à Korchin. Grand secrétaire, bah c'est pratique ça. Lana, c'est quoi un peu d'attribut à Lana? Bon, je crois que j'ai compris que c'est ça le truc. Faut éviter de faire gaffe à éviter de tributer n'importe qui parce que si tu te fous sur la tronche. On va faire une alliance avec lui. Là, par contre, ce sera bien une alliance. Outsang. Ouh là là. Pegu, lui, par contre, je pourrais le tribut. Pas... Non, c'est toi que je veux. Dongru, là. Je pourrais tributer d'ici peu de temps, là, moins un. Le Bengal va un Marowak. C'est parfait, ça me fera un allié. Plus je vais avoir tributaire, mieux c'est hein, pour le. Et plus 0,07 par mois, ça c'est faible. Hein. T'as hyper cool, ça régule, c'est bien ça, c'est bien. Pourquoi il se fait plus maintenant? Moins deux. Tu emmerdes toi. On va attendre que tu veuilles bien te soumettre hein. En fait ce qui compte, si j'ai bien compris, pour les tributaires, c'est les pays à nos frontières. Il faut faire en sorte que tous les pays à nos frontières soient des tributaires. La Renaissance. Bon. Fallait bien s'y attendre, hein. Il y a des pays, c'est même pas des civilisés. Oh, c'est même pas des civilisés. Perdre du cap pour mal faire la contrebande, ça on peut se le permettre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des constructions également. Parce qu'honnêtement, je veux dire. Je vais également recruter des arènes mercenaires aussi un petit peu. Parce que je veux dire, je suis à combien là? Je suis à plus 16. Force de. Non. De force de 10 régiments, voilà. Et on va construire des bâtiments. Marché qui monte la puissance commerciale. Oh, il faut le technologie diplomatique, c'est vrai. Ah, et ça manque, ça manque. Hein. Juin 51. L'héritier est pas terrible en plus, hein. Faut vraiment qu'il crève. On va attendre de tributer l'autre petit crétin ici, là, le Tongu, là. On va imposer le tribut, voilà.
pratique, c'est bien ce nouveau système là, hein. C'est intéressant. Alors, je suis sûr qu'il y en a qui vont mettre trop des exploits pour faire monter le. On va imposer le tribut comme au Kesbeli, puis on va essayer de récupérer Changde aussi. Bon, elle est où ta capitale? Bodouna, ok. Yeah, il est baisé de toute façon, le pauvre. Lui, il est complètement foutu parce que, ben, pendant très simple, c'est que même le Jiangsu vient pas l'aider. Irène, tu vas pas après te. Non, parce que je suis beaucoup trop loin. Non, mais je comprends, je comprends, je comprends. T'as pas envie de venir, hein. Chengde, ben voilà, c'est pris. Ah, vu que je suis indépendant, je peux passer tranquille pépère chez lui. Vous allez voir, je vais le massacrer. Oh, la dévastation. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un nouveau système de dévastation maintenant qui permet de défoncer les provinces ennemies. La Corée avec Jiangsu, c'est pas trop grave. Alors qu'est-ce que tu veux toi? Bouriate, t'es où toi? Boîte 20 unitaires, ben si veux. Ah oui, Boîte il est là-haut. Parce qu'il est en guerre contre les autres du. Voilà. J'ai Kesbidi contre. Reconquête contre. Ah oui, j'ai Kesbidi Reconquête moi aussi? Vas-y, non. Non, j'ai unifié la Chine. J'ai imposé une tribu que. Oirat et Korchine. Oirat. Korchine. Oui, vu que j'ai fait ces provinces-là à Sarigyogir. Sarigyogir, j'espère qu'il va pas se faire défoncer. Non, mais fais la paix, Sarigyogir. Fais la paix. Là par contre j'ai des gars qui veulent se rebeller massivement. Yis, c'est où ça Yis? Guiyang. Je vais quand même monter un peu la stab. Ah, c'est une culture ça Yis, attendez, on va regarder ça. Ah, c'est la Yi. C'est culture tibétaine, oui, c'est tibétain. Autant moi les chinois ça va, les mandchous aussi, tout ce qui est chinois, ça va, et par contre les autres. Je vais quand même envoyer une armée hein, chez Yi. Donc il y en a qui tenterait quelque chose. Conseil de Shangdi, on va voir, qu'est-ce que c'est que ça? Les animistes adoptent plus fréquemment les concepts des rites confucéens de leur vie quotidienne. Ils ont tendance à identifier le conseil de Shangdi avec leur divinité la plus importante. Cette interprétation est quelque peu exubérante pour les savants lettrés du pays, mais ça permet à l'animisme d'intégrer un certain nombre de concepts, rites, valeurs et enseignements confucéens au sein de leur théologie. Cela suscite quelques débats à Beijing. Est-ce là la manière la plus appropriée pour les animistes de s'élever de la barbarie à la civilisation?
Ah bah attendez, 5 de méritocratie, attendez, je gagne pas mal. Voilà, c'est le temps quand même. Surtout qu'en plus, l'harmonie, là, je suis qu'à combien? Je suis à 21% si je peux gagner en plus du temps. Et Shizup a désolé, c'est pas trop grave en plus. Regardez, parmi la Corée. Manipour, à la limite, je vais demander des hommes, parce que honnêtement, je veux dire, le cash, j'en gagne beaucoup. Enfin, j'en gagne quand même pas mal. Moi, son. Du coup, ce qu'on va faire, nous, c'est que là, on continue de siéger. On va piller un petit peu quand même, hein. Ah non, 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 non. Ah non, non. Parce que je crois que t'as pas compris, je t'explique. Je veux Chengde. Et après, je veux que tu viennes tributaire. Et puis ton cash aussi, hein, tant qu'à faire. J'attends vraiment de te défoncer, hein. Je siège ta capitale. Parce que je crois que t'as qu'une seule forteresse, mon gars. Hein. Voilà. Ouais, j'ai pris Bodunga. Regardez-moi ça, normalement il va accepter. Moins 3. Moins 1. On va attendre un petit peu, vous allez voir. Normalement il va craquer d'ici peu, hein, parce qu'après tout, vu tout ce qu'il va prendre cher dans son pif, au prochain mois déjà, on va gagner un point de plus. Voilà, j'ai pris Taining, voilà. Je peux le dire. Non, tu vas rien rendre au Mongol, faut pas déconner. Ça, c'est pas en Chine, non, c'est en Mongolie intérieure. C'est du Tchadkar. C'est pas du tout accepté en plus. Non, mais ça suffira déjà, ça aussi. J'ai pas eu KSB, unification de la Chine, c'est pas grave puisque toutes les cultures. Et voilà. J'ai des vassaux des envies de liberté. C'est pas grave puisque t'as pas le choix. Donc, je vais remonter mes relations avec toi, t'inquiète pas. Je vais ça défoncer mon gars, c'est pas grave. Lui il est avec qui? Il est avec Ouzbek et Timouride. Il y a le Tchagatai par contre qu'il faudra que je défonce lui. J'ai réussi une mission, c'est parfait. On a moins 200, c'est pas grave, on peut monter de 200. Ça aura le temps d'évoluer en plus avec le temps. Accroître le prestige ou construire ou recouvrir les réserves militaires. Accroître le prestige. Pour cela, nous, on monte de 0,12. Prospérité, comment on fait pour augmenter la prospérité? Comment on fait pour monter la prospérité? J'aimerais bien savoir ça. Ah ok, je peux toujours monter la méritocratie, hein, heureusement. Absolutisme, ce sont ce concept n'existe pas. Ah, on peut enfin monter. On va prendre ça, les marchés.
Les nouveaux troupes là. Plus 15%, bah c'est pratique. La renaissance, je sais même pas que ça existe. Je vois rien du tout qui apparaît. Hein. Sinon, ça a même pas, la faisabilité n'a même pas été inventée de toute façon. Il faut absolument que je me débrouille pour rusher la technologie ici pour le colonialisme. Hein. Et partir explorer des colonies. Hein. Et après, je veux dire, dès que j'en ai un ici, je suis frontalier avec les Shimazu, donc je pourrais envoyer le Japon. Les Gis, ils apparaîtraient avec 20 000 hommes quand même. Eura Taijin. Est-ce qu'on peut envoyer une petite armée à Eijin ici, histoire de stabiliser la région? Ils sont calmés les gars, c'est bon? Voilà. Après il y a Miao. Miao. Korshin par contre, la Chengde là. Là par contre c'est chaud. Hein. On calme un peu les gens. L'harmonie, vous inquiétez pas, ça va remonter. Parce que le bonus c'est pas terrible, hein. Juste plus 1 tolérance. Par contre le malus il est vraiment élevé. Ça c'est salaud. Et vu que j'ai pas d'argent, je vais pouvoir construire des bâtiments d'ailleurs en plus. Vu que le mine gagne énormément de pognon. On peut construire plus d'impôts. Et pour ça j'ai pas le temple. Tant pis. Par contre je peux construire des marchés. Oui c'est pas intéressant. Dans les provinces qui rapportent beaucoup. À Pékin. Ouh, ouais, ça rentre. 2. 6,35. Waouh. On va regarder les endroits commerciaux. Là où ça vous, je regarde juste, mais bon, je me doute que c'est pourri. Hein. Ah non, ici ça peut avoir un coup. Ici vers l'Asie. Vers les barbares qui achètent nos produits. Là, il y a des routes commerciales assez intéressantes. Ça peut être intéressant. Là, évidemment, Macao, c'est bourré de pognon. Là, évidemment, on va construire là. Plus 7, c'est pas négligeable du tout. 1,8 aussi. 1,43. 1,62. 1,82. 3,61. Et c'est tout, voilà. J'ai quand même claqué pas mal de pognon. Pour moi c'est bien, c'est sympa, c'est trié par combien ça rapporterait en plus. Et Ningbo c'est bon. Est-ce que je pourrais pas déloger un petit peu quelques forteresses histoire de gagner max de pognon en plus? Je veux dire, le temps que les. On n'est pas en guerre là, c'est bon. J'ai oublié d'aller là. Alors on va voir. Une réforme. Putain, je vais pas me permettre de perdre la stab. Je peux pas me permettre de perdre la stabilité du coup. Du tout. Vous ici. Envoyez du pognon. Là je perds hyper 20 en loyauté, donc là. Un petit don, c'est bon. Hop. Est-ce que j'ai assez de. Toujours pas, mince. Ça craint ça.
Oh, l'héritier est mort. 1-5-3, eh ben, il est vachement mieux lui. Par contre, il n'y a plus le système des factions comme dans le précédent. Attendez. Parce qu'avant, il y avait des factions dans l'Empire. Ah non, ça a été mis, ils ont mis un truc classique comme ça. Bon, toi, t'es toujours à moins 200, mais bon, c'est pas grave. T'inquiète pas, ça va augmenter. Les Khmers. J'ai plus. Ouais, faut vraiment que je remonte mes effectifs, hein, mes réserves militaires. La mission, c'est quoi? C'est augmenter le prestige. Par contre, la méritocratie, est-ce que je pourrais pas claquer des points? Plus d'impôts. Voilà, on prend ça. Ah oui, je peux le mettre qu'un seul à la fois. C'est pratique, c'est pour éviter les mecs qui vous abourrent comme des cinglés. On va tributer à Sam aussi. Arakan, vous allez également lui dire, hop, je prends le tribut. Pégou, vous lui dire également. Prends le tribut. Comme ça, je vais faire monter à fond mes les points là. Je vais essayer de me faire monter ça le plus vite possible. Pour passer le maximum de réformes. Lui, il est déjà. Ah, il va s'appeler Ayutthaya déjà. Moins 45, non, c'est beaucoup trop loin là. Lui, il est allié avec Nogai. C'est tout pour Nogai. Moins 49, ah ouais. Non, il y en a qui sont beaucoup trop loin, donc eux, il y en a, c'est mort. Moins 41. Alors, une statuette. Prestige, trahison terrestre. Et on va prendre la puissance administrative et la méritocratie. On fait monter la méritocratie. Et on prend des points administratifs. Ce qu'il me faut pour monter, je vous rappelle, mon. Mon gosse est toujours vassaux. Jagatai soutient l'indépendance. Il est avec plein de monde ce con. Il est avec Sarigugir. Ah mon cochon. Non, je vous tape pas la guerre avec ces couillons là. Non, et puis j'ai pas envie de nous déclarer la guerre avec là. Faut attendre qu'il y ait un Sengoku Jidai là qui foute la merde au Japon. Kutai. Du grand pas parce que je suis trop loin. Brunei. C'est con. Après, ce problème c'est la distance aussi avec les frontières. Mais bon. J'ai 26 tributaires, c'est pratique. Perte des puissances diplomatiques ou perte du cas? Ma perte du cas, hein. On va dépenser de l'argent, hein. Les Mongols revendiquent des trucs. Soutien d'indépendance, ils voudront pas parce qu'ils peuvent pas me blairer. Ah non, effectivement, c'est vrai. Je vous suis en trêve. Vous, je suis également en trêve. Après, ce reste sera de. Ah, il refuse, d'accord. Ça ne crée pas un case Billy. Et vous, Cochin? Non, attendez, Cheng n'a pas compris. Je gagne du prestige, non, je vais pas perdre des terres. Changde, c'est la Chine, point final. Je vais courir ça tranquillement. Et je pense que pour aujourd'hui, bah, je vais m'arrêter là. Donc
Donc j'espère que cet épisode-là vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à donner, mettre des pouces verts, à commenter. Vraiment, n'hésitez pas à donner des conseils également, histoire que je puisse avoir vos retours, hein. Vraiment, parce que vu que c'est le nouveau DLC, si vraiment vous avez des nouvelles, des conseils, n'hésitez pas. Hein. Donc là, il se passe quoi? Il se passe que David a bouffé ce machin-là. C'est con pour lui, hein. Donc c'est Assam qui fout sa merde. Assam qui a déclaré la guerre à Shutia. C'est des tributaires. Merde, arrêtez de foutre sa tronche, les gars. J'arrête. Ava, t'es pas tributaire, toi. Ah bah tiens, attendez, on va le faire, ça, voilà. Ah, je me dis bien aussi, voilà, ça me fait un peu peur, là. Après, faut que je me charge de Yeren aussi, hein. Faut qu'on augmente un petit peu nos relations avec lui, hein. Et bon, le but sera de tributer un peu tout ce beau monde, hein. Bon, allez, moi, pour l'instant, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde! À la prochaine!